vais donc laisser la parole à Monsieur Pochet pour le lancement du projet Le Déclic. Vous l'avez cité dans votre propos introductif, c'est une belle étape pour l'ensemble des chambériennes et des chambériens, car en quartier politique de la ville, peut-être plus qu'ailleurs, l'insertion sociale et professionnelle, c'est un défi de taille. Je vous avoue qu'il est difficile de ne pas se sentir concerné quand un jeune, dans les quartiers politiques de la ville, vous dit se sentir laissé au bord du chemin et ne plus croire en la promesse de progrès républicain. C'est aussi difficile de se sentir indifférent à une famille, et notamment pour la plupart des mères isolées, qui sentent leurs enfants décrocher et se méfient des mauvaises fréquentations de leurs enfants. C'est aussi difficile, je pense, de se sentir indifférent à un bénéficiaire de minima sociaux qui a la volonté de s'en sortir, mais qui n'a pas toujours ni le coup de pouce du départ avec la formation adaptée, ni le réseau professionnel pour retrouver une démarche efficace de retour à l'emploi. D'ailleurs, les statistiques confirment ce vécu, puisque les quartiers politiques de la ville ont aujourd'hui des facteurs de précarité spécifiques qui se retrouvent dans l'ensemble des leviers d'accès à l'autonomie. Présence plus importante de jeunes de 18 à 24 ans, dont beaucoup d'ailleurs ne fréquentent pas nos administrations publiques et que nous ne parvenons pas à capter. Présence de familles monoparentales qui génèrent des problèmes accrus de mode de garde et aussi plusieurs ce qu'on appelle des freins périphériques, puisqu'il y a dans ces quartiers spécifiques, d'ailleurs comme on retrouve aussi en zone rurale, une mobilité moins importante, des qualifications moindres et un manque, je le disais, de réseaux professionnels et sociaux. Je veux quand même rendre hommage, parce qu'il ne faut pas se méprendre sur ce propos liminaire, aux acteurs de l'insertion et de l'accompagnement qui font un travail remarquable et qui sont nombreux à Chambéry pour cela, mais dont leur diagnostic de terrain, que nous avons mené d'ailleurs en commun, révèle qu'aujourd'hui, la plupart des permanences qui peuvent être éclatées ne suffisent pas à prévenir les rechutes et le décrochage des publics éloignés dont je parlais tout à l'heure. Un chiffre pour l'illustrer. À la mission locale jeunes de Chambéry, sur les 740 jeunes issus des quartiers politiques de la ville et connus de cette mission locale, 1 sur 2 n'a pas été vu depuis plus de 5 mois. C'est suffisant pour nous donner la volonté de créer des synergies innovantes entre ces acteurs, accompagner l'insertion socio-professionnelle de ces publics, du repérage au suivi dans la durée et en mobilisant le pouvoir d'agir de ces derniers. Je le dis parce que c'est le fruit d'un travail partenarial. Nous avons fait le choix de placer l'insertion au cœur des enjeux du contrat de ville que nous menons avec l'agglomération et l'État. Et c'est comme cela qu'est venue, avec une poignée d'élus et de partenaires associatifs, l'idée de créer des lieux ressources, parcours de vie, qui permettront à des personnes éloignées, femmes, jeunes, bénéficiaires du minima sociaux, public dit invisible, de retrouver un parcours d'accompagnement et d'insertion sociale et professionnelle, de retrouver un parcours cohérent, durable, qu'on appelle sans couture et individualisé de retour à l'emploi. C'est pour cela qu'on a candidaté à un appel à projet 100% inclusion. Ça a été un gros travail dense et intense de la part de nos services et de ses partenaires. Je veux leur dire chaleureusement merci, parce qu'en quelques jours et parfois en quelques heures, ils ont fait plus que certains en plusieurs années. Et nous avons remporté cet appel à projet avec peu de villes sur le territoire national, qui nous donnera les moyens de faire cette expérimentation pour 2 ans au moins, à partir du mois d'octobre prochain. Concrètement, c'est quoi ces lieux ressources parcours de vie? Ça sera un ensemble d'actions et de méthodes qui ont fait leur preuve. Aller vers, impulsion nocturne, groupe de travail jeunes adultes en rupture, mais aussi un traitement global de ces problématiques, ce que nous n'arrivons pas encore suffisamment à faire aujourd'hui. Équipe d'experts sur l'accès aux droits, aide à l'obtention d'un logement, accès aux soins, mise en lien avec des pratiques sportives et culturelles. Ce sera concrètement 2 lieux qui ouvriront dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, le Biolay et Léo de Chambéry, avec des lieux qui seront pensés par et pour les publics éloignés de l'emploi. Un accompagnement personnalisé et coordonné par des référents de parcours sans couture seront proposés et portés par des acteurs de proximité. Je les cite car ils font partie du consortium, c'est le noyau dur avec lequel nous menons l'appel à projet, la ville, la mission locale jeune, la sauvegarde, les régies et des acteurs de la mobilité. Voilà, en quelques mots, vous dire que pour les bénéficiaires, ça permettra un lieu unique en proximité bien identifié, la possibilité de trouver à tout moment un interlocuteur pour orienter, conseiller et informer, l'amélioration de la qualité de l'accompagnement du projet professionnel et
Cela dans la proximité, la coordination et l'agilité des acteurs. Budgétairement, c'est un projet qui dépasse le million d'euros, puisque nous sommes à 1 235 000 euros, avec une subvention de l'État qui prend en charge environ 45%, c'est-à-dire 568 000 euros sans 3. Et enfin, vous dire que, voilà, on est avec les élus et les partenaires associatifs particulièrement heureux de le lancer. C'est une démarche qui se veut innovante, concrète, car dans ces quartiers, ce qui ne se voit pas n'existe pas la plupart du temps. On constate d'ailleurs une impatience plus forte là-bas qu'ailleurs. Et une démarche mobilisée en faveur de l'insertion, de la prévention de la délinquance et je dirais même du vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation d'un rapport qui, après un rapport sur le centre-ville, cette fois-ci est plus tourné à destination des quartiers et de la jeunesse, tout particulièrement dans ces quartiers. Y a-t-il des demandes de compléments, d'informations à Gaëtan Pochet ? S'il n'y en a pas, je vais mettre ce rapport donc aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Le rapport est adopté. Et